Alors, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de On sait sur moi. Alors, juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous préciser que si la qualité n'est pas bonne, c'est parce que je filme avec mon téléphone pour l'instant, donc c'est tout à fait compréhensible. Voilà, fin de la parenthèse. Merci. Donc, premièrement, mon premier fait, c'est que je ne déjeune pas le matin pour les jours d'école, pour aller au collège. Voilà. Alors que c'est le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Mais non, voilà. Il n'y a que le week-end et pendant les vacances que je mange un déjeuner. Alors que l'école, bah, c'est là où on se dépense le plus. Voilà. Fin de la parenthèse. Deuxième fait. Alors le soir, enfin je sais pas pourquoi, mais je dors les volets entrouverts. Voilà. C'est complètement con. Mais c'est une manie que j'ai adaptée. Voilà, c'est tout con. Voilà. Troisième fait. Alors, pour vous dire que j'ai tout à fait le temps normalement d'avoir un petit déjeuner, de le manger, mais que voilà, je déteste être en retard. Alors quand je dis en retard, c'est pas en retard comme tout le monde qui me dit « Ouais, je déteste en retard, nanani, nanana, je suis une élève modèle. » Non, moi c'est « J'ai vraiment peur d'être en retard, quoi, c'est pas possible. » C'est oh, « Voilà, parce que je vais vous expliquer. Les gens, ils mettent le réveil à 7h30 ou à 7h, mais moi, c'est pas possible, je le mets à 6h. Ouais, à 6h du matin. Je commence les cours à 8h45. Voilà. Alors, je peux vous dire quand ma mère nous emmène et que je vois sur le tableau de bord, parce que oui, je vais devant, et que je vois que ça s'affiche, qu'il est 8h35, j'ai la boule au ventre. Oui, j'ai la boule au ventre. Voilà. Tout simplement. Quatrième fait. J'adore les mangas et aussi les musiques, mais pas les musiques d'amour. J'aime que les musiques qui bougent, dynamiques et tout ça. Donc, quand on voit du lourd, quoi, du son. Donc voilà. Cinquième fait. J'adore le rap. Alors oui, ça peut paraître bizarre pour une fille d'adorer le rap, mais depuis que je suis arrivée dans ma ville, dans la campagne et tout, que je suis arrivée dans cette maison, je sais pas pourquoi, mais j'adore le rap. Donc voilà. Voilà, peut-être que ça me rappelle la vie, je sais pas. Donc voilà, et je vous mettrai quelques titres de chanteurs, enfin, un par chanteur que je connais assez bien. Donc voilà. Sixième fait. Alors, je suis angevine. Angevine. Oui, j'ai bien dit angevine. Donc, si vous savez pas ce que c'est tout simplement que je suis née à Angers, dans le Maine-et-Loire, près de Nantes, nord-ouest de la France, plus précisément. Voilà. Septième fait. Alors, j'ai 12 ans et demi. Donc voilà. Huitième fait. Mon anniversaire, c'est samedi de ce week-end. Donc oui, je suis née le 3 juin 2004. Et à l'époque, le 3 juin 2004, c'était le jour de la fête des mères. Donc oui, je suis née le jour de la fête des mères. C'était un très beau cadeau que j'ai fait à ma mère. Et je crois que c'était le plus beau d'ailleurs. Voilà. voilà. Et mon frère, lui, mon premier frère, est né du coup le jour de son anniversaire. Donc elle a eu un beau cadeau pour premier enfant. Voilà. Pas ma parenthèse. Neuvième fait. Alors, j'ai deux petits frères et deux petites sœurs. Alors, le premier que je vous ai déjà parlé, Esteban, il a 7 ans. Après, il y a ma petite sœur Siana, elle a 5 ans. Il y a Tilwan, donc il y a un autre petit frère qui a 4 ans. Et il y a la petite dernière, Leslie, qui va prendre 2 ans le 10 août. Du coup, voilà. Le dixième fait. Alors, je sais, ça peut paraître pas mal. Complètement barbe. Mais en fait, quand je me fais un bobo, et en fait, vous voyez, il a de la croûte, et moi, je l'arrache. Voilà, je l'arrache. Oui, je sais, c'est dégueulasse, après tu saignes, voilà, t'en as partout, voilà, sur tes vêtements, partout, t'as des taches, voilà. Mais non, moi, je sais pas. Pour vous dire, des fois, ma mère, elle m'engueule, quoi. Enfin, voilà, elle dit, Lana, arrête de t'arracher les croûtes, tu vas avoir des cicatrices plus tard, tu vas t'en vouloir, voilà. Pour vous dire, moi, dans ma tête, je me dis, oui, je sais, mais voilà, c'est plus fort que moi, là. Voilà. Et des fois, je peux vous dire que je me barre. Mais je veux dire, je me casse dans les chutes de la clé et je les arrache là. Voilà. C'est parano. Le 11e fait. Alors, ça peut paraître bizarre, oui. Alors,
Oui, je suis un cinquième. J'ai des petites mains. Voilà. Non, mais vraiment des petites mains. Pas pour rigoler. La taille de mes mains. Et j'ai aussi des petits orteils. Des petits orteils. Voilà. Voilà. Et ça, je tire de ma mère parce qu'elle est très petite, elle a des petites mains et elle a des petits orteils. Voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Partagez-moi vos avis en commentaire. Soit je les aimerai, soit je les épinglerai. On verra ça. Et je tenais aussi à vous dire, vu que j'ai pas trop d'idées en ce moment pour faire des vidéos, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire des vidéos que je peux faire, enfin des idées. Puis on verra par la suite ce que je ferai. Donc voilà. Donc, je vous laisse. Comme je vous ai dit pour le 5ème V, oui, le 5ème V, c'est ça. Et ben, je vous mettrai des titres de chanteurs du rap que j'aime et tout ça. Donc voilà. Et je vous mettrai aussi mon Instagram. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt!